Ce dimanche 23 juillet, si est-il sur TikTok que Victoria Beckham s'est rendue pour dévoiler la vidéo de sa reprise de l'un des titres les plus emblématiques des Spice Girls, Say You'll Be There. Si est-il un groupe de musique qui a marqué toute une génération. Dans les années 90, le monde découvre les Spice Girls, un girls band britannique composé de 5 chanteuses, Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie B, Melanie C et Victoria Beckham. Pendant plusieurs années, ce quintet parvient à remplir les plus grandes salles du monde entier. Un succès si grand que le groupe est même parvenu à intégrer le monde du grand écran avec Spice World, son film, qui a généré plus de 151 millions de dollars de recettes. Néanmoins, les années passent et chacune a l'ambition de se lancer dans une carrière en solo. Si est-il donc dans les années 2000 que les Spice Girls s'accordent une pause afin d'envisager leur avenir seul. Elles ne se reformeront ensuite que pour des projets exceptionnels, comme en 2007 à l'occasion d'une tournée. Victoria et David Beckham chantent les Spice Girls ensemble visiblement, les fans des Spice Girls sont encore bien nombreux dans le monde. Sur la toile, plusieurs milliers d'internautes ont semblé émus de voir celle que la plupart surnommaient Posh Spice reprendre le titre Say You'll Be There, de son ancien groupe, à côté de son époux David Beckham. Si est-il sur TikTok que la mère de famille a publié la vidéo de sa performance. Le retour de Posh, mon rêve, si est-il incroyable, Posh est de retour, on a besoin d'un retour, ça me rappelle le bon vieux temps, peut-on lire parmi tous les commentaires. Certains ont d'ailleurs semblé heureux de lire en train d'échauffer mes cordes vocales. D'autres choses arrivent, en légende de la vidéo publiée par la célèbre styliste. Le retour des Spice Girls serait-il pour bientôt? Pour l'heure, aucune information supplémentaire n'a été rendue publique, néanmoins une chose est sûre, les internautes sont impatients de découvrir la suite.